Bonjour, je vais vous présenter donc la mise en œuvre du logiciel Hero.NET Your History avec PCTMIS. Donc la première chose, je vais créer un nouveau programme que je vais nommer Hero. Donc, afin de lancer une commande d'exportation dans le logiciel Hero.NET, il vous faut insérer une commande externe à la suite de aliment fin en tout début de votre programme. Donc, insérer une commande externe dans les options aucun affichage, aucune attente. Nous allons sur le petit bouton parcourir et là on va dans ces deux points, Program Files. Pour les plateformes en 64 bits, vous avez le programme file x86, xmet, pcdmis extractor et pcdmis extractor.exe. On valide le tout. Voilà, donc nous avons notre commande d'exportation. Afin de faciliter la recherche dans la base de données, il est judicieux d'insérer des champ de traçabilité qu'on va retrouver dans insérer, commande statistique, champ de traçabilité. On va en mettre 3 qui sont l'opérateur, insérer, commande statistique, champ de traçabilité, un numéro d'OF, insérer, commande statistique, champ de traçabilité et un numéro d'article. Voilà, donc ces zones de trace seront à remplir à chaque exécution et faciliteront la recherche en fait au sein du logiciel Hero.NET.